Bonsoir tout le monde. Alors, on est à l'Anticafé. Il y a du monde ce soir. Et la vidéo, elle est pas en direct parce que YouTube, sur mon téléphone, ça marche pas en direct. Donc, je rediffuserai ça après. Alors, on commence. Hélène, tu fais quoi? Alors, je continue mes guettes. Mes baby legs pour mon petit bébé. Ouais. Et tu suis pas de patron. Je suis pas de patron. Je pense que je vais rajouter encore ça pour la journée entière. D'accord. Et voilà, ça avance pas très vite parce que je tricote que au tricoté, donc doucement mais sûr. C'est mon projet tricoté. Ok, ça marche. Merci. Je recommence parce qu'en fait t'as foiré tout à l'heure. D'accord. Alors moi je vous fais une couverture pour bébé. Ok. Dorsade et versible. Magnifique. Et ça je sais le patron. Il est, voilà, sur mon blog. Joël, voilà. C'est celui-là. Hey. Re. Ouais. Bon, là, je fais un pull crochet de chemise. Ah, mais là, on voit vachement mieux, en fait. Avec... voilà, c'est de la maille croisée au crochet tunisien. C'est super. Avec une immense pelote. Avec une pelote géante. Une pelote, un pull, quoi. Normalement, non. À 400 grammes, c'est peut-être un peu short. Quoi. Ah ouais, non, que 400, ouais. Elle paraît grosse, mais en fait, c'est léger, quoi. Donc, il faudra peut-être plus. Ou alors, un gilet sans manche. Non, je n'aime pas. Ah. J'étais prévoyant, quand même. Pas mal. Okay. J'aime bien les chiner avec des petites couleurs sympas. Ouais, en plus, ouais, c'est pas mal. Hein. Eh bien, voilà. Bon courage. Merci. D'accord. Et du coup, tu prends un cours de tricot. Ouais, normalement, en fait, c'est la première fois que je fais ça. D'accord. Et ben, il faut un début à tout. Donc, bienvenue dans le monde du tricot. Bon courage. Et sinon, t'es censé faire quoi, en fait? Je vais faire un pull, en fait. D'accord. Okay. Et, ah oui, ça c'est le tout début ou t'as déjà fait d'autres non, choses? Non, c'est le début en fait, mais de... Ah, ok, d'accord, ça marche. Bon courage. Alors, hip là. Ouais, on commence, ça va pas marcher. Alors, je suis allée filer un châle en dentelle. Il est magnifique. Ouais, il est super joli, mais il est compliqué parce qu'à chaque deux rangs, il faut prendre en fait la dernière maille du rang. Bah, moi, il est rose. Ouais. Et la première maille du rang bleu ensemble. D'accord. Et ceci, tous les deux rangs. D'accord. Et du coup, tu te balades avec deux plots. Que tu montes. Non, 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 non. Parce que là c'est fini. Ah non, le bleu c'est fini. Le bleu, d'accord. C'est fini. C'était toute la partie bleue là, comme ça. D'accord, ok. Ah ouais. Et donc toutes les mailles étaient sur l'aiguille. Et d'accord. Au fur et à mesure, tu les récupères. Ouais. Ok, ah ouais, bah bon courage. Ouais, surtout que le patron, c'est beau. Il est chiant, il y a des triples jetés, des choses comme ça. Ah ouais. Triples jetés, enfin des. D'accord. Et le patron, c'est quoi? C'est Saruman, tu m'avais c'est dit Saruman. Ok. J'ouvre une livre. Ouais, mais. Dentelle, d'accord. Ah, c'est dans un bouquin, c'est pas sur internet. Ok. Merci. Mélanie et la girafe. Et attends, je sais pas si on va. Ah, ça y est, le petit nez. Elle est trop née. Oh, c'est trop mignon. C'est chou. Donc la girafe, elle est là. Elle est mignonne. Et ça, c'est issu d'un bouquin aussi, c'est ça? Pas forcément, tu peux acheter juste le patron. Ah, juste le patron, ok. Ouais, je crois que c'est sur le site de Hooked. D'accord, ok. Parce que normalement, elle est censée être. Ah, en trafilo énorme. Oui. Ah oui, mais c'est marrant parce que quand on la voit comme ça, on se rend pas compte en fait. Ben ouais, mais vu qu'il y a pas d'échelle. Oui. D'accord. Mais, j'ai pas d'autres photos, mais. Ouais. Ok. Non, bah c'est cool. Bon courage. Moi, je suis toujours sur ma punition. Tu fais des carrés. Je fais des petits carrés comme ça. D'accord. Et ça, c'est le plaid pour bébé, du quand il voudra bien s'enlever. Du livre de Anne. Du livre de Anne. Voilà. Ok. C'est ce bouquin-là. Ça marche. Et si tu veux, je te montre la photo de presque terminée. Ouais. Non, ça, c'est le bouquin d'Anne. Voilà. T'as commencé déjà l'assemblage en fait, c'est ça? Ouais, j'ai commencé l'assemblage parce que sinon. Ouais, sinon à la fin c'est horrible. Donc là, depuis j'ai fait un rang de plus. D'accord. J'ai encore attaché 4 carrés. D'accord. J'en ai 4 autres de fait à la maison et je suis en train de faire les 7 derniers là. Donc là c'est le 6ème.
Ok. Et après, il m'en reste 5 et il y a un truc à faire. D'accord, ok. Et bien. C'est long. Et après, j'ai un petit pull. Pour ah, mais fais voir ce pull, oui, d'ailleurs. Parce qu'il est quand même juste trop beau. Il est trop mignon. Ça, c'est le flax de Tim Canit. T'as le nom. Ça ressemble au motif. Ouais, le projet. Bien sûr, j'ai choisi le même parce que c'est trop drôle. C'est quoi ton appli? C'est Stage to Go. D'accord. Et c'est tu rentres tous tes projets. Ah, d'accord. Non, c'est juste en fait, tu rentres pas les projets. Enfin, tu peux rentrer ouais. tes projets, mais. Mais c'est un pull pour adultes et pour enfants, bien sûr, la fille qui n'achète. Mais c'est gratuit, c'est trop d'accord. bien. D'accord. Voilà. Ah, voilà. Et il doit y avoir une photo de. Flax. Ok. Et c'est de Tin Can Wit. Nit, mais je sais pas, où, sur la fiche, je sais pas où sont les. Ok, mais si on cherche Flax sur Ravelry, on va le ouais, trouver. Ouais, Flax sur Ravelry, tu peux trouver, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Franchement, c'est bien écrit, c'est franchement pour quelqu'un qui commence. C'est idéal. C'est ok. Eh ben merci, c'est super beau. C'est magnifique ce truc. Alors, moi je tricote une écharpe Harry Potter. C'est tout doux, magnifique. En freestyle, c'est ça. En freestyle. Pas de patron. Parfait. Et là aussi, on a une écharpe. Une écharpe. L'écharpe de folie. Ah non, mais moi, elle m'impressionne. Hein. Franchement, ouais. Parce que bon, ça, c'est la plotte. Voilà. Et ça fait ça, ça change tout seul. Je suis épatée. C'est franchement. Magique, franchement. C'est non, magnifique. Je triche un peu, mais. Ah non, ah non, c'est super, franchement. Et puis c'est tout, j'avoue que. Ouais. Ah, celui-là, là, c'est le plus doux, quoi. Super. Super, mais ben. Hop, hop, hop. Donc, le jacquard, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'espère que je fais bien parce que si. Cette fois, c'est la avec qui j'ai fait l'atelier voir cette vidéo. Je fais n'importe quoi. Mais non. Voilà. Ah oui, du coup, tu tiens tes deux fils, un de chaque côté. Voilà. J'essaie de les. Comme en fait, je serre trop. Ah c'est ouais. C'est pas mauvais pour le jacquard, du coup, j'essaie de passer. T'essayes de hyper souvent. Ouais. Pour pas qu'il soit trop. Mais de toute façon, en général, quand on débute, on a toujours tendance à serrer parce qu'on est stressé et qu'on a peur de perdre ses mains. C'est normal. Voilà. C'est normal. Et du coup, le motif, je me permets. Ouch c'est ça d'un côté et puis de l'autre, c'est un petit cousin. D'accord, ok. Non, c'est rigolo. Tu nous quittes? Non, tu nous quittes pas. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un. C'est ton châle. Un petit gilet. Ah non, c'est un gilet? C'est un gilet. Ouais. Donc, voilà. Les devants sont faits et je vais attaquer le dos. Ok. Voilà. Et du coup, c'est tout d'une pièce en fait, c'est ça? Sauf les manches. Que tu fais à part. Voilà, d'accord. À part. Bah, c'est super, hein. Bon courage. Merci. Hey. Je fais une housse de coussin en jersey et point mousse. Tout simple. Sans patron. Ok, sans patron, avec voilà. juste les mesures. Voilà, les mesures du coussin. Et c'est très joli, j'aime Merci. Beaucoup les couleurs. Mon tricot. Et Joël, tu fais quoi? Moi, je fais une robe pour ma fille. Qu'est-ce que c'est que cette belle laine? C'est de la Malabrigo. Oh. Je ne sais plus la qualité, mais voilà. Mais c'est trop beau ça. C'est quoi ce patron magnifique? Je ne me souviens plus du nom, mais je le mettrai sur ma Ravelry. Ah fait. Ouais? C'est trop trop c'est beau. Sympa. Et l'avantage, c'est que le motif, il n'y a que 4 ans, assez simple à retenir. Ah, je peux travailler sans patron, du coup, je ne l'ai pas sur moi. Mais... Ah oui, ah, c'est pas mal ça quand tu peux travailler sans patron. Mais on peut tricoter devant la télé, c'est ça qui est Ah, bien. C'est bien parce que moi, ça fait de l'effet, mais je ne peux pas tricoter devant la télé, j'ai des faits tous mes ronds. Ah oui, non, mais moi, je ne peux plus maintenant faire des trucs. C'est, ça, ah, c'est très enfants. Joli, hein, voilà. Franchement, c'est super. Eh bien, merci. Merci à toi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois.